sur les règles. Pardon. Ah, adjoint, vous attendez. C'est Xavier. Ouais, c'est ça, adjoint. Je vous attendais. Karine, excusez-moi. Oh, qu'est-ce que c'est la première fois que je fais. Vous êtes bien Xavier, c'est ça. C'est là qu'il y a la finale. Excusez-moi. Oh, pardon, je ne vous dérange pas. Lieutenant Colombo, 5e brigade criminelle. Très bien. Je veux vous rejoindre. Bien sûr, je vous remercie. Oh, c'est moi. C'est j'étais un peu en retard, je suis tombé en panne avec la cache. Ça vous dérange pas, je passe le circuit. Oui, c'est ça. Oui, c'est formidable. Vous êtes quand même gonflé de mettre des deux partout. Oui, c'est bon. Incroyable. Et je suis lieutenant Colombo, 5e brigade. C'est bien, c'est très responsable. La finale. Ah, qui veut. Ah, bien sûr, vous sortez de prison, c'est ça. Oui, c'est bien, je suis d'accord. Ah, à la base, vous étiez en train de décrire le fonctionnement. Mais dites-moi, ça a été préparé spécialement, ou c'est en train de prison? Non, je suis là, je ne sais pas vous dire. C'est un peu comme un intermédiaire. Bien, ça c'est comme ça, je voulais peut-être déranger, vous étiez en train de dormir. Non, non, pas dernière, ma main est là. Et vous, on va faire un petit essai. Alors, ça, ce sont les clients. Allez, vas-y, voilà, vous avez déjà suivi la situation, monsieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous n'êtes pas concurrent, monsieur Faux. Ah, aussi, vous n'avez pas de combinaison, monsieur. Voulez-vous aller la mettre rapidement, monsieur. Ici, c'est moi qui vous bat. Alors, en total, donc, tout le monde peut faire confiance. Ah, attention, ça s'enfuit. Monsieur, vous pouvez aussi suivre. Oui, dans quel bout. Le premier pilote, on ne sait pas encore rien, et c'est décidé. Très bien. Si je comprends bien, donc, le matériel est là. Les acteurs sont là, le décor est là, n'est-ce pas? Oh, il y a même un basse, excusez-moi, c'est pas reconnu. Oh, ils nous ont libéré. Un membre de l'État, c'est excellent, ça va, hein? On va pas vérifier que nous n'avons pas explosé la baraque. Très bien, donc, je vous laisse continuer pour l'instant, je vous suis de près, je vais faire un petit tour et vérifier si le circuit est conforme. Dans cette question, il y a du changement, quand il y a une presse partie là, on va vous se faire le commissaire de piste qui sera à vous pour avoir votre petit numéro. On va vous passer, voilà les envies de voir votre petit panneau. En moment où vous passez avec le célèbre qui fait pas de bruit, vous venez faire deux minutes sur la piste. Et vous... Donc voilà, voilà pour le dérouler. Non, on a un coup pour le pas. Merci. Pour l'instant, on ne sait pas, comme on vient de savoir simplement les consignes, on parlait avec les compatriotes de course pour s'en rendre compte comment qu'est-ce qu'on va faire. Qu'est-ce que tu penses de l'organisation du championnat? Pour l'instant, moi je pense que ça a été quelque chose de réussi, parce qu'il n'y a jamais de problème, ça s'est bien déroulé. Il y a peu d'attente entre chaque qualification, c'est pas. Et on est bien accueillis, c'est sympa. Et c'est quoi pour toi, à ton avis, l'équipe qui va gagner? C'est nous. Il n'y a pas d'autre chose, hein. On est là pour participer, c'est bien, mais bon, c'est toujours mieux quand il y a... quand on cherche la victoire, quoi. C'est toujours un peu plus demandé, c'est bien. Oui, voilà. Je me méfie de la com, hein. Puis après, il y a des images... Il y a des questions en plus. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu penses de l'organisation du championnat de karting? Très bien, pour l'instant, ça s'est très très bien passé. Vous avez fini combien La dernière fois, on a fini deuxième. Deuxième, ouais. Et quelle est ta stratégie avec ton équipe? On a fait un petit calcul, normalement c'est équilibré. C'est-à-dire? On fait 10 chaque 15 minutes. 10 minutes? Vous tournez à combien en fait? À peu près autour? Je ne saurais pas te dire. Donc qu'est-ce que tu penses de l'ambiance qu'il y a ici? Très bien. Ouais. Bonne ambiance. Les animateurs sont bien rodés, je crois. Hein.
Et est-ce que tu crois que c'est toi qui vas gagner ou il y a des bons, hein, ça va être dur. Alors comment vous le sentez là? Pour l'instant très bien. Ouais. C'est vrai que vous avez une chance de gagner? On verra. Ouais. Pas la peau de l'ours, on va essayer de faire au mieux. Pas faire d'erreur. Et puis, un petit peu tendu peut-être? Non, pas trop. Après ça va être un peu plus stressant. Ouais. D'accord, bonne course. Donc, on va partir pour Dimo. Alors moi je travaille au montage 2 et je suis technicien d'appui sur le montage. Et voilà mon secteur. Okay, je viens de faire 10 minutes de course donc. Et alors ça a été les 10 minutes? Ouais, c'est très très dur. C'est combien en temps? 19 500. Ça va. Troisième. Troisième. Stratégie de course, il n'y en a pas spécialement. On est surtout là pour s'amuser. Et puis, même si on finit, si on fait le podium, c'est bien. Mais il n'y a pas de stratégie. Et vous en pensez quoi alors l'organisation Moi, je trouve ça bien parce que c'est une bonne entreprise. Hein, et puis, des choses comme ça, je pense que ça motive le personnel. Donc c'est très bien et puis il faut continuer. Quelle est l'ambiance? L'ambiance, comme d'habitude, quoi, hein. C'est PSA, toujours c'est pour elle, il y a toujours une bonne ambiance et tout, on se marre bien. Donc, voilà, allez, attaque Céline. Quel est votre sentiment sur la course, monsieur Etienne? Attends, deux secondes, je te rappelle parce que je suis interviewé là, je te rappelle, deux secondes. Hein. Sentiment sur la course, bonne température à l'intérieur et à l'extérieur. Course qui va être quand même bien, bien disputée. Hein. On a réuni tous les meilleurs pilotes qu'il y a sur le site d'Aulnay, donc à mon avis, on va être bien fatigué ce soir. Vous croyez avoir une chance de gagner? Tout le monde a une chance de gagner, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Hein. Et comment s'est passé ce premier tour? Premier tour, bon, ça n'a pas été de la découverte, parce qu'on a déjà tourné ici, ça a été plutôt tranquille. On ne va pas trop se fatiguer avant la course, donc on a fait les tours d'essai pour dire qu'il faut faire des tours d'essai, mais on ne s'est pas forcément donné à fond. Et votre stratégie? Stratégie, je vous donnerai peut-être à mi-cours. Allez,
pensé de la course? La course? Ouais, ça va aller. Tranquille. Si tu pouvais éviter de marcher. Et l'organisation, comment ça se passe? Très bien. Pas de problème. Comment... Ça va, il y en a qui vont être difficiles. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de l'ambiance? Bah, c'est sympa. Ouais. Comme les autres fois. Et qu'est-ce que tu penses de l'organisation? Ah, c'était très bien. C'était un peu long peut-être parce qu'il y avait plus de monde que prévu, mais sinon c'était bien. Je me présente, je suis Patrick Canoc, président de la section karting. Donc, comment ça s'est passé l'organisation de ce championnat sur le site de Dolmen? L'organisation a été très compliquée parce que nous avons commencé déjà au mois de juillet pour commencer à préparer, à faire les invitations, faire tout ça. Et puis, au total, nous avons 1608 inscrits qui sont présentés. Et nous avons fait ça sur 33 journées, dont 14 journées annulées à cause de la météo. Donc c'était très, très problématique pour convoquer les gens. L'annulation, on vient, on part, on réapporte, c'est carré. Puis nous avons commencé ici le 7 janvier, les 13 qualifications pour accéder à la finale. Et t'en es content en fait de ce que ça donne ou pas l'organisation, tout ça Très satisfait de l'organisation et surtout ma plus grande priorité c'était aucun accident. Et je touche du bois, il ne me reste plus que 1h15 à tenir. Nous avons fait un quart d'heure de course déjà et donc c'est à zéro accident. Et l'ambiance? L'ambiance est très, très conviviale, c'est vraiment... Surtout je fais tous les retours en quart et c'est vraiment superbe l'ambiance que nous avons dans le quart, c'est vraiment superbe. Voilà. Prêt à recommencer pour l'année prochaine? Oui, mais nous n'avons pas la même formule parce que c'est pas 1600 mais c'est 2500 personnes. Je pense qu'on s'inscrire l'année prochaine vu l'impact que ça a eu, donc nous allons attendre un peu, changer le système d'organisation. Merci. Les ceintures de sécurité sont obligatoires. Alors lorsque j'étais en conversation avec le préfet justement concernant la sécurité routière, il me dit, vous comprenez maintenant en France, quand même 7000 morts par an, les voitures, d'accord, il faut bien connaître les lignes, on va avoir un peu de sécurité. Oui, on va tout voir. Ensuite, on bien sûr, on interviendra. Et ensuite... C'est quel secteur? Montage. Qu'est-ce que... un petit peu. Et qu'est-ce que tu penses de la course pour l'instant? De la course, pour l'instant, ce que j'en pense, je suis encore très tendu, mais bon, ça a l'air de bien se passer, on est pas mal placé, apparemment on a fait des bons temps, donc ça m'a rassuré un petit peu, on verra pour la suite. Et ta stratégie avec ton équipe, c'est quoi? Ah, j'ai pas le droit de la dévoiler. Oh, allez, pour nous. Je vous le dis, normalement on doit changer très rapidement de pilote, donc, on doit faire trois relais très courts de un tour, voire deux tours, mais pas plus. Et après on partira sur des longs relais de 15 minutes. Dès qu'on va se retrouver dernier, et on espère remonter, bon, ça fera aussi du spectacle. On verra. Je dirais ça si on a raison en fin de course. Et tu penses quoi l'organisation d'un championnat de karting sur le Ah, je peux en penser que du bien. Moi, je suis fou de cartes depuis un certain moment déjà. Bon, c'est formidable, il en faut davantage. Il n'y a qu'à voir l'engouement que ça a pris, hein. On ne pensait pas qu'il y aurait autant de monde, autant de participants. Hein. Donc oui, je suis ravi. Et l'ambiance, ça passe quoi? Ah, l'ambiance, c'est formidable, ça se passe. En plus, c'est très convivial ici, à Saint-Soufflet. Maintenant, tout le monde connaît. C'est très, très convivial. Vous aviez une pêche d'enfer. Moi, je me régale quand ça se passe comme ça sportivement. Qu'il y a pas... On se bagarre, mais c'est très propre sur la piste. C'est l'essentiel. Merci beaucoup. Merci.
habitués. Hein. Quelle ambiance qu'il y a aujourd'hui? Moi, c'est nickel, là, pour l'instant, ça va. En plus, Coluche, là, il est terrible. Ouais. Enfin, Colombo, là, il est terrible. Moi, ça va, c'est bien. Et votre stratégie pour la course, c'est quoi? Bah, là, on met une demi-heure à faire par pilote. Nous, là, on va faire 12 minutes. Après, on va changer, on va faire 6, après, 12. Ça, tout le monde tourne une demi-heure, puis. Avoir, on peut pas eu le soutien, ça veut dire on a perdu par rapport à ce bac. Et les chances de gagner ou pas alors? Bah, pour l'instant c'est chaud, mais on verra bien. On verra bien. On est là pour s'amuser. Tu penses quoi d'avoir organisé un jeu de 24 sur le bac? C'est une bonne idée. Oh, c'est sympa, c'est bien, c'est sympa. En plus, quand on voit les tarifs, quand on y va nous-mêmes. Non, franchement, c'est bien. C'est cool. Merci. Oui, et donc ensuite on partira pour une heure et demie. Jean-Pierre va nous donner un petit mot et s'il vient pas pour le premier, il donnera le départ. Je passe la parole à Jean-Pierre. Merci. Oui, bah, vous... 1600 participants, oui mon lieutenant. Donc 1600 participants, vous êtes la fine fleur de ce qui se fait de mieux sur le net actuellement. Je suis sûr que beaucoup vont suivre derrière. Donc, ce que je voudrais vous rappeler, mais ça, bon, j'ai aucun doute, attention bien évidemment aux consignes de sécurité. Bon, je pense que Xavier, toute son équipe, sera là pour éveiller. Hein. Bon, il faut que ça se passe dans la bonne humeur, vous l'avez déjà dit, hein, la bonne convivialité, même si ça va être très sérieux sur la piste, parce que je sentais quelques-uns qui étaient un petit peu stressés. Hein. Bon, ben, le temps va accompagner, on va vous faire descendre un petit peu la pression. Alors, écoutez, je souhaite une bonne chance à tous. Hein. Et puis, comme dit la forme consacrée, eh bien, que le meilleur gagne. Hein, on va suivre tout au long de cette heure et demie. On va peut-être faire une heure et demie de course. Alors, gardez-en un petit peu sur la pédale. Hein. Et puis, à tout à l'heure et bonne chance à vous. En respectant les règles de la composition, de la conduite, bien sûr aussi, et de la sportivité. Attention. Donc, deux feux rouges et un feu vert. Vous partez bien sûr au feu vert, monsieur. Certains dans la compétence. Alors, je m'adresse d'abord à la course du départ. Impeccable pour le compte. Ok, ici, on fait au cœur de la course, à l'avant, bonne position, avec un peu de position. Nous sommes d'accord, monsieur, tout va bien? Ok, pour vous, attention. 5, 4, 3, 2, 1, parfait. Encore un champ dans moins de 30 secondes. C'est la stratégie qui a été choisie, on la respecte. On la respecte. Franchement, la stratégie, on ne sait pas. Maintenant, enfin, là, je cours pour MSTG parce que je me suis qualifié avec MSTG, mais aujourd'hui, je suis au ferrage. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses pour l'instant de la course? Tel que c'est parti, j'ai vu les pilotes de la Saxa Cup, et puis la 206 a l'air de bien partir. Nous, on avait prévu une stratégie pour arrêter à la 5e minute, mais il y en a qui nous ont devancé, donc ils sont déjà arrêtés. D'accord. Donc, on a l'impression qu'il y en a qui sont beaucoup plus avancés. Et qu'est-ce que tu penses de l'ambiance? Il y a une bonne ambiance. Il manque un peu de monde, mais en fait, des supporters, ça serait bien. Et l'idée d'avoir un championnat de karting sur le monde, c'est très bien. Parce que ça permet d'en regrouper pas mal de gens, de discuter ensemble, et puis de connaître des gens, de faire un lien social avec les personnes. Eh bien, j'ai l'impression que, à peine plus de 10 minutes de course, nous allons avoir des surprises, car il faut faire. Soit ce que nous venons de voir, je peux vous dire qu'on n'est pas au bout de nos surveillances. Alors, en général, les gens me connaissent, hein, Jean-Pierre Mathéo, je suis le secrétaire du comité établissement. Voilà. Et avec la SA, on a mis en place cette finale et cette compétition. Et d'ailleurs, depuis quelques mois. Comment s'est passée l'organisation de ce championnat? Alors, l'organisation, essentiellement, bien évidemment qu'on a un œil, hein, on est un peu les grands frères de la SLA, mais c'est essentiellement la SLA qui est organisée, hein, Patrick Enoch et Pierre Borin. Au départ, Michel Ress, vous savez qu'il y a eu une transition qui a été faite entre les deux. Donc, bien sûr, on a donné des petits coups de main entre eux, en contre-temps. C'était une très grosse organisation parce que 1600 pilotes avec les éliminatoires, c'est ce qu'on fait une première partie sur Olney, et puis un deuxième temps ici. Une très grosse organisation, les intempéries, enfin beaucoup de petits problèmes, mais bon, dans l'ensemble, c'est très très bien passé. Hein. Et on est très contents, puis voilà, c'est l'apothéose, c'est la finale aujourd'hui, c'est très bien parti, on a de bons espoirs. Et l'ambiance, vous en pensez quoi justement de cette finale? Oh, bah, je peux en penser que du bien, je savais qu'avec les pilotes d'Aulnay, montage, ferrage, peinture et autres services, ça allait très bien se passer. On a voulu rajouter une petite touche, hein, comme je disais à l'instant, une petite touche d'humour, parce que c'est vrai que
les gens soient un petit peu stressés, hein, c'est leur première grande finale, ça permet de faire baisser la tension, et ma foi, bon bah, ça va se passer très très bien, vous allez voir. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il y a, quelle équipe va gagner pour vous? Ah ben j'en sais rien, même si j'ai un pronostic, pour moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avant le départ, la meilleure, hein, que le meilleur gagne. On a quelques idées, hein, quand même, on a quelques petites idées, parce que... Mais ça veut rien dire, il y a une heure et demie de course. De ce que j'ai vu, il y a une seconde qui sépare le premier du dernier, un petit peu plus d'une seconde, donc ça va être très très serré, hein, très chaud. Mais c'est ce qu'on avait prévu. Voilà. Et est-ce que l'année prochaine on reconduira le championnat? Alors, pas sous cette forme. On va reconduire déjà des journées, parce que le 14 juin on va se retrouver ici, mais ça va être une journée multi-activité. L'année prochaine, je ne peux pas en parler tout de suite parce qu'on va pas casser les effets de com', il y aura des communications de fait. Ça va être fait sous une autre forme. Mais la compétition plaît, donc ça pourra très bien être un C4, un championnat de quad, pourquoi pas, ou voire de jet ski ou autre. Les sports mécaniques plaisent bien, mais on n'oublie pas tous les autres sports pour autant. Hein. Mais c'est vrai que bon, c'est la base, c'est notre métier, et bon, on va donner quand même un petit coup de pouce au niveau des sports mécaniques en général. Tu mettras la face au feu, vraiment. Donc Pierre Morin, responsable de l'ASMA, responsable sportif de loisirs de Lay. Donc comment s'est passée l'organisation du championnat de karting sur le site d'Aulnay? C'est très très bien passé. Nous avons passé 1610 personnes sur le site et 390 personnes à Saint-Soufflet lors des finales. Et nous sommes actuellement lors de la super finale qui réunit 9 équipes du site et une équipe de pilotes qui court pour la star. Et ça a été dur à organiser? Ça a été dur dû à la météo, ça a duré quand même presque 7 mois, parce qu'à partir du mois d'octobre ou novembre, nous avons eu des petits problèmes de météo, de pluie, de neige, de verglas, mais nous avons réussi à passer tout le monde sans avoir donc ni accident, ni gros problème de notre mécanique. Et donc tu es content du résultat ou pas? Oui, c'est une très belle réussite, mais il faut avouer que ça a été un très très gros travail, et qu'on le refera, mais on ne le refera pas à une si grande échelle. On refera sous forme de concours, de journée, mais on ne le refera pas sous une aussi grosse échelle. Et sinon, l'ambiance, qu'est-ce que tu en penses? On a choisi un peu le site du dessin soufflé parce que c'est très convivial, c'est très chargé. Je suis des secteurs montage M22, au coiffage plus précisément. Qu'est-ce que tu penses de l'ambiance qu'il y a ici? Ça va, c'est cool. C'est bon enfant, on s'amuse bien. Et les performances de ton équipe? Bah là, avec les freins en moins, on fait une mauvaise performance. Sinon, j'étais en train de remonter, mais pas assez pour être dans le final. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses d'avoir fait un championnat de karting sur ce dernier? C'est bien ou pas? Ben ouais, ça me plairait même de refaire un l'année prochaine. Tellement que c'était bien. Tout s'amuse bien, c'est cool. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de tes supporters? Un peu mou. Ils sont là. Pourquoi un peu mou? Fatigué. Bah regardez, allez le montage. Voilà. Allez le montage. Voilà, ils sont à fond là. Voilà pourquoi on pète des freins. Voilà. Est-ce que vous avez encore une chance de monter sur le podium? Non, je crois pas. Je crois pas, on a perdu 20 secondes, là, le temps de changer le kart, et c'est trop tard. J'ai rattrapé des places, mais pas assez. C'est la première fois que vous faisiez du karting à Aulnay? Oui. Vous allez en faire à Aulnay? Peut-être. Merci. Non. Le titre est invité, comme vous le savez, on court pour accepter de courir, de servir de lièvre et de peinture. C'est le secteur du montage, à l'atelier formation montage. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez du championnat de karting? C'est passionnant, j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Bon, malheureusement, on a une équipe du montage qui vient d'abandonner, et c'est dommage, mais bon, on n'a pas fini, il reste encore plusieurs équipes au montage. Et puis, au niveau du centre, ça se passe bien quand même. Il y a une bonne ambiance, ça tourne bien. Et qu'est-ce que vous pensez de la performance des gens du montage? La performance des gens du montage? En ce moment, là. Bah, formidable, puisque la stratégie de l'équipe de l'atelier formation montage a décidé de faire des relais donc plus souvent en début de course. On s'en voit que c'est payant maintenant, puisque donc Saturnin, là, qui est en train de courir en ce moment, eh bien, est quand même en troisième position, en sachant que les invités sont donc en première position et ne seront pas qualifiés.
Donc on peut dire que pour l'instant ils sont deuxièmes. Donc bah, bravo à eux et il faut continuer. D'accord. Et vous en pensez quoi de l'ambiance qui règne? L'ambiance qui règne, c'est une ambiance formidable, conviviale. Il y a une bagarre bien sûr sur la piste, mais bon, c'est une bagarre réglo. On a vu qu'il y a, il y a très peu de touche-touche, hein. Il n'y a pas eu des pénalités, donc bah, tout se passe bien, quoi. Ça se fait dans la bonne ambiance, hein, bien entendu, quoi. Merci. Les gagnants actuels. Bien entendu, les gagnants. Je vais juste donner sur moi. À savoir l'équipe. On va demander par contre de parler un peu plus fort parce que c'est vraiment des moyens amateurs. Donc quel est ton secteur? Donc moi je suis outre. Donc en fait je travaille au PVS au bâtiment 12 et donc je m'occupe de tout ce qui est matériel informatique sur le PVS et puis l'atelier pilote et puis un peu au paquebot et un peu partout. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de l'organisation d'un championnat de karting sur Aulnay? C'est super, c'est génial, ça met une ambiance super dans le service, inter-service, on rencontre des gens, c'est génial. Et qu'est-ce que tu penses si on fait le même championnat l'année prochaine? Eh ben, je suis partant, je me réinscris et j'espère faire au moins aussi bien, c'est-à-dire arriver en finale. Et puis bon, on va voir ce qu'on va donner la soirée. Ouais, la course, on est où alors? Donc la course, on est parti avant-dernier. En fait, on avait une tactique, on voulait voir le départ. Le fait d'être premier, on ne voit pas le départ. Donc là, on est parti en dernier, on a bien vu le départ et là, on est remonté en quatrième position. Avec les arrêts et les changements, on a même atteint une fois la deuxième position. Mais bon, là, on est quatrième. Là, ça va, je suis confiant pour le podium. La course est encore longue. Ouais. Tu ne retournes pas, mais il y a des gens qui vont venir t'attraper avec une chemise. Ouais. Donc, une chemise blanche. Ouais. Qui s'attache dans le dos. Voilà. Et alors, tu fais comme si de rien n'était. On va t'emmener. Tu dis vive la star. Je le dis avant ou après? Ah, quelle belle course. Et quel bonheur, c'est vrai, que le numéro 4 reçoit le numéro 10 de la ligne. À moins de 3 minutes de la course maintenant, mesdames et messieurs. Très dur au niveau des bras, mais oui. On a été bien très endurant et voilà, ça a remporté. Au niveau d'ambiance, la qualité jusqu'au bout, hein. Impeccable. Vous avez fait de la bonne qualité alors? Exactement, la stratégie qui était bonne. Bonne stratégie. Qu'est-ce que vous avez à dire de l'organisation? Super, bonne animation. Colombo a bien géré l'affaire et donné les bonnes critiques de la course et tout, c'était super. Vous êtes prêts à recommencer l'année prochaine? D'accord. Un petit cri de joie pour la fin? Ouais. À fond. Non, je pense que c'est une équipe soudée. Une équipe de qualité. Donc le mot d'ordre aujourd'hui c'est qualité. Je crois qu'avec la qualité il y a la raison. C'est depuis que vous avez rejoint le montage que vous êtes bon?
Allez, on va dire que oui, on l'a gagné pour le montage, c'est vrai. Exactement. Ok, merci. Allez, s'il vous plaît. Voilà, voilà, s'il vous plaît. Allez, tout le monde sur la piste. Allez. Je vous remercie, parce que c'est pas pour évident, très cher de vous avoir ici. On a passé de très très bons moments, une grosse sélection chez vous de 1600 personnes, ici plusieurs activités aujourd'hui de super finale, avec vraiment beaucoup de cœur. On s'est régalé, je voulais vous applaudir, mais collaborateur avec moi-même, c'est une chose que je vais faire. Donc je vous applaudis très très fort. Bravo, messieurs. Une ovation en équipe, car effectivement pour recevoir dans chaque session, mon équipe de mécaniciens est venue matin, vous a préparé les cartes vraiment extraordinairement bien, donc j'aimerais les applaudir parce que sans eux, on ne serait pas là ici aujourd'hui. Donc, bah, vous, c'est une équipe. Numéro 6, c'est pas possible, pas si vidéo, vous êtes là. Messieurs, si vous voulez les applaudissements, il faut leur donner les clés. Quel atelier ou alors c'est quoi? C'est dommage, monsieur. Vous savez bien? C'est aussi. Un esprit, je vous le présente. Oh, comment ça, monsieur? Un esprit. Très bien. Très bien. Avec déjà le physique à être devenu, donc il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'il n'a pas un physique de gagnant, il ne peut pas gagner partout. Il réussit avec les femmes. Non, je crois que c'est bien. Et oui, parce que...
sur les 1600 mètres du Tour d'Espagne, et donc numéro 9, équipe numéro 9, il méritait d'être signalé. Alors moi j'ai pas fait en même temps. Hein. Ah bah voilà, vous faites. C'est à coup. Bah alors c'est quoi votre sentiment sur cette course? Très bien, super génial. Ouais. Vous êtes dans les 5 premiers et 3. Ouais, c'est bon. Et moi je pensais finir 3ème et on a fini 3ème. Donc on est à notre objectif. Donc, pas voilà. Déçu de pas être premier. Non, mais super content d'être troisième. C'est vrai que ça va être très très dur. Vous attendiez à troisième? Non. Dans les cinq premiers. On visait la cinquième place et intérieurement, on visait la troisième. Un podium, c'est bien. Podium. Et votre sentiment sur l'ambiance et le champion de karting? Fair play, quoi qu'on a à faire les pilotes, pas de soucis sur la piste, tout le monde était réglo, c'est vraiment très très bien. Ça s'est bien passé, tout le fair play de tout le monde, bien, bonne organisation. On va revenir l'année prochaine alors. Ah oui, on revient l'année prochaine, oui. Quoi pour... Si on arrive à se faire qualifier. Hein. Et comment va réagir votre service quand vous allez revenir avec la médaille? Et notre chef qui est là, il est enthousiasmé, il est content, il nous vire pas du service. Ouais, on a eu chaud. Finalement. finalement, on s'en sort bien, quoi. Merci beaucoup. Bravo, monsieur le... C'est vrai qu'on a eu un petit peu de... Le montage, j'étais très motivé, mais bon, c'est vrai qu'avec un peu plus de motivation, on a réussi à faire encore mieux. C'est vachement bien, Ferrage. Continuez sur cette voie, les gars, bien. Donc voilà.
Et votre sentiment sur le fait qu'on ait fait un championnat de karting? Bah bien, hein. On regardera l'année prochaine, on aura la première place. Comment vous avez trouvé l'ambiance ici? L'ambiance sympa. L'ambiance sympa, cordiale, l'organisation très organisée, tout ça. Et comment va réagir votre service ou votre UP? On espère qu'ils vont très bien réagir, on va tout faire pour qu'ils réagissent bien. Alors les villages people. Alors votre sentiment sur cette course? Sensationnel, bon, je dis que là on a bien maîtrisé la course, donc on n'y croyait pas et on a appliqué une stratégie qu'on avait réfléchi un petit peu dans la journée. Et puis d'autre part, bon, on est une équipe de qualité, on fait un jeu de mots. Donc c'est vrai que franchement le résultat ça va être peut-être 4e, 5e vu la qualité du plateau qu'il y avait devant nous. Mais bon malheureusement il y a eu une personne qui a eu un petit malaise et puis un quart qui a eu un coup. Non mais sans ça c'est franchement une équipe homogène. Franchement une équipe de qualité, c'est vrai qu'on se connaît depuis un moment et c'est vrai qu'on a mesuré plusieurs fois et c'est vraiment on était au même niveau. Eux sont plus forts que ça. On a été très réguliers. C'est ce qui a fait ce résultat. Tu as fini combien? Qu'est-ce que vous avez pensé de l'ambiance au niveau des cartons? Super, parce que comme je l'ai, c'est comme très correct sur la piste. Ensuite, au niveau de l'ambiance, je peux voir extraordinaire. Et nous, on a donc fait la finale et on a eu cette chance d'avoir donc un bon plateau et d'avoir donc du fair play. Et quand on voit donc la sélection qui restait, donc les 30 personnes, des gens qui pratiquent déjà le karting, ont des bonnes notions et ça se passe comme ça, c'est sensationnel parce qu'il y a, vraiment une bagarre. On s'est mesuré face à des professionnels, donc quelque part ça nous a entraîné aussi à améliorer nos performances. Et le championnat de karting, alors c'est une bonne idée. On commence l'année prochaine, on ne s'en serait pas. On remet l'année prochaine. Mais bon, moi, j'aurai un nom de plus. C'est vrai. Et quelle va être la réaction de votre service? Je crois qu'il y a certains chefs qui vont être surpris. Comme on disait tout à l'heure, c'est que nous on est dans un service qualité un peu discret, on n'est pas trop connu dans le montage, mais maintenant je pense que ce résultat fera peut-être que on sera. On sur vous pour faire la une. Voilà. Monsieur le directeur du parc, vous avez le chef de rôle de cette manifestation.
Il y a eu une grande concurrence, puisque vous en avez eu combien? Vous avez eu combien de concurrents au départ? 1600. 1600, plus de 1600, donc il y en a quand même très peu qui sont là aujourd'hui. Donc je félicite les 1600, et surtout ceux qui sont là aujourd'hui, les minorités de la finale. Et je suis très heureux de jouer parmi vous, parce que j'ai une excellente ambiance, très sympathique, très chaleureuse. Et c'est toujours un bon moment pour moi de m'en trouver parmi vous dans ces cérémonies sympathiques. Alors je transmets au nom de tout le public toutes mes félicitations au podium et à tous ceux qui étaient en finale. Bravo encore, félicitations et à l'année prochaine. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce championnat? Très belle qualité. D'abord, il fallait le faire. Trois équipes, trois pilotes par équipe, 30 au total, des scores incroyables, puisqu'on est arrivé à un moment donné, quand même à un tour en 18 secondes et 29 centièmes, quand même. Alors moi, je suis désolé, monsieur, mais quand je vois ça, moi, je me tire mon chapeau. Non. Mais ce qui est formidable, c'est que je me suis occupé de la pression des pneus. Parce qu'il faut quand même être gonflé de rouler à plat, quand même. Et ben, eux, ils étaient tout à fait aux normes. Ah, autre chose que je voulais dire aussi, c'est de voir un peu toute cette espèce de dynamique qu'il y a à l'intérieur d'un groupe, d'une entreprise, quoi. Parce que finalement, il y a le boulot, tout le monde le sait, hein. Mais en dehors du travail, il y a aussi l'aspect humain, quoi. Et voir la réussite de ce genre de choses, j'ai passé un excellent moment, rassurez-moi. Comment vous avez trouvé l'ambiance? Oh, ben, j'aimerais bien qu'à la police à Los Angeles, il y ait la même. D'ailleurs, il n'est pas impossible que je m'inspire un peu de ce que je viens de voir ce soir. Dis-moi, juste une question. Dans quelle position était le cadavre quand vous l'avez trouvé, hein? Et l'année prochaine, vous... Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, si l'an prochain, c'est trois messieurs, c'est une équipe aussi. C'est demain, faut pas l'oublier. Non. Oui. Ah, mais alors je viendrai avec ma femme. Ok? On y compte bien. A bientôt, monsieur. Merci. Voilà. Donc, ce que j'aimerais, c'est que, avant que les flashs se déclenchent, on passe à 300 par balle de l'appareil. Pierre, oui, Pierre. Merci. On se cherche Pierre. Donc à 3 je passe en face à vous, je vais à 3 avec une balle, on fait quelque chose de génial. 1, 2, 3. Précisément, au départ c'était quelque chose qui semblait être parti un peu, alors on va le dire, un peu d'une façon un peu amateur, hein, malgré qu'il y ait la présence de trois professionnels. Mais très vite on s'est aperçu que dans la compétition, ben, les mecs ils y ont cru, jusque dans les moments, je vous promets, ils pouvaient se passer des choses. Et alors ça, le qualificatif qui me vient à l'esprit, c'est passion. Une certaine passion. J'ai senti de la passion, voilà. Deuxième. Vous savez, je suis habitué à travers mes enquêtes et mes rencontres, à beaucoup d'ambiance, hein, c'est pas... Mais là, je vous avouais que si j'étais là ce soir, c'est bien parce qu'il y a une raison. Le comité d'entreprise et l'association sportive du site qu'on appelle chez vous, Volney-sous-Bois, PSA, ils auront toujours ma préférence. À bientôt.